Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous montrer un petit gameplay de Rocket League. Tout simplement je vais vous présenter un petit peu le jeu. Donc j'ai pu jouer un petit peu en live là, il y a une demi-heure peut-être, une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc j'ai joué, bah pareil, une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure, j'ai peut-être joué une heure à peu près. Alors je suis parti en season je crois, c'est bien ça, season. Par contre le problème c'est comme je venais d'arriver sur le jeu, je pensais que pour commencer ce serait bien de prendre le mode de jeu rookie. Ah oui, training, faudrait s'entraîner, bref. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est le garage, donc bon, en gros pour les options on a joué en ligne. Exhibition c'est simplement faire une partie, bah tiens je vais faire ça je pense. Exhibition en gros c'est faire une simple partie contre l'ordinateur quoi. Season c'est simplement un peu faire une ligue quoi en gros. Vous pouvez choisir le nombre de semaines et puis en gros c'est le nombre de matchs quoi, et puis le premier gagne évidemment. Le garage c'est vos véhicules, vos améliorations, tout ça, donc on peut prendre, enfin améliorer en tout cas je sais pas. Ce que je sais, ouais bon, on doit avoir quelques améliorations du style changer les roues. Ça c'est pas mal aussi. Bon, je viens de découvrir, bon on va prendre thermal. Ok d'accord, je vais prendre ça. Donc on voit que j'ai vraiment rien débloqué. Pizza Dropper c'est de la merde. Et apparemment, ok c'est cool, c'est stylé, bon je vais mettre ça. Donc on peut customiser un petit peu ces véhicules, donc on customise pas non plus à fond. Mais on peut les custom un petit peu apparemment. Ok. Bon j'aime bien ce... Celle-là elle a l'air stylée, j'aime bien. J'aime bien ces roues, donc voilà je vais custom un petit peu. Sinon apparemment on peut mettre quelques motifs. Ok, ouais, bon j'aime pas trop ça. Stripes, pourquoi pas. Et le dernier. Tech, j'aime pas trop. Flamme, je pense que c'est le meilleur. Donc on va prendre flamme et par contre ça j'aimerais bien, voilà, une autre couleur. En rouge c'est pas mal. Rouge c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Sinon ouais, je vais laisser Octane qui m'a l'air d'être pas mal, sauf ça, ça a l'air d'être bien aussi. Bon on s'en fiche, je vais prendre celle-là. Donc voilà, on a le garage, training c'est pour s'entraîner tout simplement, donc voilà quoi. Extra, ça je sais pas trop en fait, enfin si je sais, genre les replays, les stats. Leaderboard ça va être genre vos succès je crois, un truc comme ça. Ranked leaderboard c'est par rapport aux autres joueurs, et puis les crédits, bah tout le monde sait ce que c'est. Option exit game, je vous apprends pas. Bon je vais partir en exhibition tout de suite, je vais faire une game. Le stadium a l'air stylé. Ouais, sinon j'ai envie de faire du bonne difficulty, on va mettre pro. Rookie c'est hyper simple. Et j'ai envie de mettre en 2v2. Create match. Alors j'ai essayé le rookie. C'est hyper simple, c'est à dire j'ai fait des 16-2 quoi, donc c'est vraiment assez simple. Nous on va join blue. Ouais j'ai fait vraiment des 16-2 donc c'est hyper simple. Merde. Il m'a volé ma balle là. Donc en pro par contre je sais pas. Rookie c'est hyper simple, je déconseille vraiment ce mode. Après si jamais c'est pour faire un match et que c'est pour commencer, ok, mais même une saison, la faites pas en rookie quoi, parce que... À la limite faire un match pour s'entraîner, ouais. Mais une saison, genre au bout de deux matchs, vous pouvez déjà éclater un rookie. Même du premier match, vous le défoncez, quoi. Vous faites un 5-0 facile. Merde. Je suis assez nul. Déjà, là, si on gagne, ce serait pas mal. Parce que c'est ma première partie en pro. Alors, j'ai évidemment pas acheté le jeu, hein, pour ceux qui me connaissent un petit peu plus, quoi. Depuis un peu plus longtemps... bon, vous savez très bien comment je l'ai obtenu. Ah, 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 là, il y a moyen. Oh, merde, j'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Donc, ça va, c'est stylé quand même comme jeu, j'aime bien. Voilà, là, ok, go. Merde. Et, ouais, c'est vraiment assez stylé parce que... On peut vraiment... bah, je vous montrerai après de toute façon, mais ce qui est vraiment assez stylé... c'est ça quoi, c'est se balader sur les murs. Ça c'est vraiment assez stylé.
Ok. C'est pas facile par contre, c'est pas si facile que ça. Bon, rookie, ça passe, c'est hyper simple, mais... Mais là, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, vraiment, on peut se balader sur les murs un peu à volonté, comme ça, c'est vraiment assez stylé. Bon, je vais y aller. La loi de la physique, il connaît pas trop. Ok, demi-tour. Merde, pas du tout. Non, c'est vraiment stylé comme jeu. Merde, non, non, non. Ok, parfait, il est pas passé. J'ai cru qu'il y allait. Ok, je le prends, je le prends, je prends. Je prends, mais elle va pas passer. Elle passe pas. Ok. Ouais. Merde. Ah, j'aurais dû sauter. J'aurais dû sauter avant, j'ai pas eu le réflexe. Donc ouais, sinon je joue à la manette, puisque lorsque vous lancez le jeu, ils conseillent de jouer à la manette. Donc bon, bah, j'ai écouté leurs conseils, quoi, tout simplement. Ouais, là je joue mal. J'aurais carrément pu la... Peut-être pas la mettre direct, mais là j'ai carrément mal visé. Je joue assez mal, mais franchement le jeu est assez cool. Le jeu est plutôt cool. Donc c'est vraiment un tout nouveau jeu qui est sorti ben, il y a vraiment pas longtemps. Je sais pas, il y a peut-être quoi, il y a... Je sais pas, je me suis pas trop renseigné en fait. Mais je sais qu'il est sorti très récemment. Ok. Merde. Donc là on est en 2v2, ça va, mais lorsqu'on commence à être un peu plus, des fois c'est un peu le bordel quand même. Genre on est tout serré et tout, ça se déconne de partout. C'est marrant aussi, mais c'est vraiment le bordel quoi. J'ai pas non plus envie de faire un 1v1, mais... En plus les... En rookie, ils sont un peu nuls, nos alliés. Ils vont plus vous faire chier qu'autre chose. Bon, heureusement qu'ils sont nuls parce que vu les adversaires, il reste qu'une minute, on n'a pas marqué un seul but, donc c'est vraiment pas si facile que ça comme jeu. Non, non, alors là j'aurais pu, là vraiment j'ai mal joué. Là, allez, allez, on la met. Non, mais cheaper. Bon voilà, il n'y a pas qu'un rookie apparemment où vos alliés jouent mal. Vous voyez, la shipper, je l'aurais mis, franchement, s'il l'aurait pas pris. Allez, reviens, reviens, reviens. Allez, 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 allez. Il nous reste 30 secondes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je joue très mal. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Ok, je la prends, je la prends, je la prends. Non, mais non, mais... J'aurais dû sauter, mais... Oh là là là. Ok, je joue vraiment mal. Bon, après, si vous voulez, je peux faire d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, ce genre de vidéo, si je vois que ça marche bien, j'en ferai d'autres. Le jeu est vraiment assez sympa, donc moi, ça me dérange pas de refaire d'autres. Et merde. Bon, 0-0. Overtime, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Merde. Overtime normalement si ça veut dire bah, le temps fini quoi. Temps fini ça veut un peu rien dire mais vous avez compris quoi. Ok go. Bim, ça c'était stylé, enfin ça c'était pas mal. Je maîtrise pas encore totalement les sauts. Et merde. Ok, demi-tour, 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 demi-tour. Oh, chier. Ouais, je maîtrise pas encore du tout, non. Et merde. Bon ben on a perdu. Voilà, on a perdu, dommage, c'est pas grave. On a perdu 1-0. Ouais, en pro en fait je gère vraiment pas. En rookie ça va mais... En pro c'est pas ça du tout. Donc je vais refaire un autre match. Je vais refaire un match en espérant faire un peu mieux quoi. Parce que là... Alors on va rester un petit peu derrière, c'était peut-être mieux. J'aimerais bien gagner quoi ce match.
Parce que bon, on n'était pas non plus, c'était pas une grosse défaite, y a clairement moyen, mais... Non, sauf s'ils marquent dès le début, là, c'est sûr, y a pas moyen. Donc faudrait que je les arrête. Merde, je pensais qu'il allait la récupérer. Ah, ok. Bim, elle y va, mais c'est pas de, enfin, c'est pas grâce à moi. Bon, c'est cool quand même, c'est cool quand même. On aura gagné au moins un but, donc c'est cool. Et merde. Alors, j'aurais pas dû. Mais on voit que c'est vraiment assez stylé de se balader comme ça sur les murs. Comme ça, je vous aurais un petit peu montré sur les toits carrément la même. J'aurais tenté. C'est vraiment stylé comme jeu. C'est assez original. Et puis, j'avais jamais vu ce genre de truc, ce genre de jeu, tout simplement. Et franchement, c'est ouais, c'est une bonne chose, c'est cool. Bon, encore grâce à Viper, c'est pas grâce à moi. Putain, j'ai fait un petit 720. Ok, donc là l'idée ça va être de cogner au moins en même temps que l'autre. Bon, parfait. First touch, ben voilà, j'ai touché en premier. Oula, par contre là on est dans la merde. Ok, merci Viper, mais bon, je l'aurais fait quand même. Non, 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 non. Et non, je suis allé trop vite. Ok, Viper, GG. Je vais attendre là. Petit demi-tour. Ah là là, j'ai vraiment mal joué là. J'ai fait nimp. Ok, go go go. Demi-tour, direct. Mais non. Oh là, je joue mal, mais bon, il y a 2-0, normalement on a gagné. Merde. Reste à peu près 3 minutes de jeu. Les parties sont assez courtes, c'est 5 minutes, donc ça change des LOL ou CSGO et merde. C'est vraiment des parties assez courtes et c'est plutôt cool. Ça passe vite. Non, 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 c'est bon, il y va pas, il y va pas. J'ai cru. Moi, je pensais qu'il allait la mettre. Au début, je pensais que c'était vraiment une sorte de mini-jeu. Oups. Au début, je pensais que c'était vraiment une sorte de mini-jeu, mais en fait, non, pas tant que ça. Il y a vraiment des gens qui sont un peu plus pro, genre là-dedans, et vraiment qui maîtrisent. J'aurais vraiment des noms de tactiques et tout, genre les R et tout ça, mais... Il y a vraiment des trucs, donc c'est pas vraiment... C'est pas du tout un mini-jeu, même. À la base, je pensais que ce serait ça, genre juste pouvoir faire quelques... Bah, quelques trucs, quoi, juste ça. Merde. Mais apparemment, il y a vraiment des trucs à contrôler et tout, puis on peut détruire les gens. Il y a un mode en ligne, tout ça, un mode compétitif. Merde. Donc bon, perso, je joue à la manette. Je joue à la manette, du coup, je sais pas si au clavier c'est aussi bien. Je pense que si le jeu conseille de jouer à la manette, il y a quand même des raisons. Au clavier, ça va être quand même un petit peu moins pratique. Et merde. Vas-y, vas-y. Non. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est bon, elle y va. Parfait. Pour une fois que je marque un but. Je pensais qu'elle allait aller trop sur la gauche. Mais en fait non, ça va, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Donc 3-0, alors on les défonce pas mal. Les défonce quand même pas mal. Hop, 1 minute remaining. Ok. Y'a pas de soucis. Les parties, ouais, sont vraiment pas trop courtes, pas trop longues, c'est plutôt bien. Le jeu, franchement, y a pas vraiment de gros défauts. On peut le faire tourner sur des assez petites configs. Enfin des configs pas moyennes quoi on va dire. Sur des petites je sais pas. Moi perso j'ai une config, j'ai pas un truc de fou. Après sur une config à 200 €, je sais même plus si ça existe mais... Mais là c'est sûr que non et merde.
Enfin, quoique, ça se trouve. Il n'y a vraiment pas besoin d'une grosse config pour jouer à ce jeu, et ça c'est plutôt cool. C'est un point assez positif. Après, quand on pousse le jeu à max, il est assez beau. Là, je l'ai mis en... Je l'ai un petit peu baissé. Bon, pas trop, mais un petit peu quand même. Ok, on a gagné. Donc, bon, là, on a gagné 3-0 quand même. Voilà. Donc, ouais, franchement, lorsqu'on le pousse à max, lorsqu'on met tout en full, le jeu est assez beau quand même. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si vous avez plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si jamais le jeu vous plaît, il coûte 20€ sur Steam, mais sinon on peut sans doute le trouver moins cher pour Instant Gaming. Donc si je le trouve sur Instant Gaming, je vous le mettrai dans la description. Voilà, si c'est pour le 2, on peut le trouver moins cher. Et donc voilà, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Salut tout le monde.